Bonjour, Francisco. Bonjour, Ndeko, journaliste. Francisco, vous avez mon coeur, analyste politique, et puis mon coeur, DPS. Vous avez mon coeur, ça va être une actualité, et puis mon coeur, c'est que vous avez un bon tour. Colombo, par la reste de Dieu, je profite aussi pour saluer Balandignon sur la Congo Live Télévision, partout, dans le monde. C'est votre humble serviteur, Cordo Cisco Charles Jafuna, la piscine de Mbote. Pour rester fidèle à la télévision, ah on est ici pour avoir une analyse, un décryptage politique, il y a solo solo. En tout cas, coup de chapeau pour la Congolais télévision. En tout cas, félicitations vraiment. Il a aussi que le travail est un travail impeccable, un travail professionnel. Nous avons abonné, nous avons multiplié. Il y a un YouTube et Pessimino, trophée. En tout cas, félicitations. Beaucoup de toujours Liboso. Tu vas voir frère Nabamba Kabozo. Merci beaucoup mon Mboka baye qu'on l'a recevoir en gros pour na trophée Nabango ya 5000 abonnés mon Mboka. Tu veux saluer Tatali République du Congo, bonne bonne santé République du Congo mon Mboka. Oui, santé République du Congo, tu as évolué très bien. Tu as grand Mboka ça ba exploit au nom de Salamaté depuis Congo et la Congo. Puis mon Konza Mboka là des fois opinion nationale internationale Congo et outre qui na infiltration mon quoi ya degré zéro. Oui, c'est vraiment un pays qui est dans le monde. Mais c'est vraiment dans le Congo. Et le soldat militaire, il y a des soldats qui sont dans le Congo. Les soldats sont dans l'Est. Mais tandis qu'auparavant, dans le régime à 18 ans, les soldats sont dans le Congo. Ils 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 sont dans le Congo. Kabila est dans le Congo. Papa est dans le Congo. Mais les soldats sont dans le Congo. Pourquoi? Na era Kabila va passer soda mundu ki gata mundu ki huya akene bituma na est soda nzala akene bituma na est mais kaka commanda zo commandité wana o zo dirige opération très très rwandais bolingo taki ba rwandais bo kanga ba terroriste na maboko appelé oti ki chassa bo retiré bo zonga toujours que dans négociation OK négociation zalité bo zonga tant bo zonga bo ali bo ba capturer Général Mamadoundal, va capturer Mbouzan, va baisser la hausse trahison. Mais le lot, par militaire, va comprendre que c'est lui qui est à la tête du pays. Notre commandant suprême, c'est un fils du pays, de père et de mère. Azana Bolingoya, Congo, Bolingo, Congolais. Le lot, par militaire, va comprendre que la prime de risque, prime de guerre, $400, sans côté salaire ou Israël qui remontarde. Prime à motivation, prime au sous. Les militaires qui ont été en est de la sécurité, qui ont été en et puis les officiers, tout. Ils ont été en armée, ils ont été en nationalité douteuse, ils ont été en boca, ils ont été radiés. Et puis les services de renseignement militaire, ils ont été en train de se faire pour identifier tous les étrangers dans l'armée congolaise. Donc c'est-à-dire, tous les Mongwana. Mais ils ont été mon conseil, mon conseil, c'est pouvoir abattre un bâton magique. Mboka et changer mal à moi. Non. Mboka et outil n'a pas beaucoup d'étranger pendant 18 ans. Tout le monde est le général Mukinza, Mustafa Mukinza. Numéro 1, il y a Baza Kitona, Rwandais. Tout le monde est le général Bisengemana, numéro 1, la police nationale congolaise, Rwandais. Tout le monde est le Badelfe Kaimi, numéro 1, renseignement militaire, Rwandais. Tu as la degré Mboka et c'est là qui est infiltré. Félix Sekedi a sali Moussala Moro dans 3 ans, 4 ans, Oyo et Singa Salamo dans 5 ans, 20 ans, 10 ans. Donc c'est un homme à féliciter. C'est pour vous dire que Félix Sekedi, c'est une bénédiction pour la République démocratique du Congo. Et c'est qu'il a tous les Congolais tout soutenir à 100%. Parce qu'il est notre frère, notre sang. Asana Bolingo ya Congo, peu Bolingo ya Congolais. Nazo Bango chaque jour, aujourd'hui, si nous perdons Félix Sekedi à la tête du pays, c'est-à-dire nous perdons le Congo. To koki ko salaire rwanate to buka mabolongo na se pona ko senga na nzambe apesa e sagesse apesa e longue vie apesa e makase ya ko sembola musala ya ko pacifier Congo ya ko améliorer conditions de vie ya peuple congolais ndenge aza ko améliorer yango ala kisimo kilimo bimbake azali vraiment na makile ya ba congolais.
4 militaires rwandais dans 4 armées, au bas de rwandais de père et de mère. Nous chers compatriotes, nous avons dit que 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 nous avons dit ancêtres, nous avons dit Nzambe nous gangi makile gangi. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit pouvoir complot avons déjà éliminé, assassiné. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons défié Bango. Les 4 militaires radiés dans l'armée. 4 militaires rwandais, Oyo Hippolyte Kanamba, tika kina kati armée congolais. Depuis l'histoire ya Congo et la Congo, c'est la toute la première fois. Chef de l'État, Azwa Bikinaye a signé ordonnance pour nous radier 4 militaires rwandais dans la armée congolaise. C'est incroyable. Mais Félix Tshisekedi a signé un mot. Tant que nous avons chaque jour, le Congo est victime de complot, de la communauté internationale. Et c'est là qu'il y a un calcul politique pour infiltrer le Congo, pour permettre que Rwanda ait un pour piller les minerais du Congo. Mais il y a un monde qui porte d'entrée, porte ouverte. Il y a un annexé des militaires étrangers dans les armées congolaises. Il y a un brassage, un mixage. Il y a une scène city. Tant que Kabila est un corps dans le Rwandais, il y a un rebelle rwandais, un terroriste dans les armées congolaises. Il y a un espionnage, un renseignement, un terrorisme. Il y a une armée congolaise. Les missions qui ont le pouvoir sont éliminées physiquement pour avoir le pouvoir et les gens étrangers. Mais je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Tant que pouvoir, il y a un martyr. Alors, il y a un besoin de bon. Ça, c'est un instrument simple. Est-ce que les gens qui ont le pouvoir, les gens qui ont le radié 4. Mais ils sont nombreux. Dans ce temps, il y a pour comprendre que Bazali va rwandais des pères et des mères tout si ou tout nélotique ba généraux rwandais nonso au bazana kati armée congolaise mais na bisi yo service de renseignement militaire baza ko sembola musala il faut to éveiller bango to dénoncer général Malik Kijege. Les Congolais ont droit de savoir comment plusieurs officiers et militaires qui étaient dans la paire comme des militaires rwandais, aujourd'hui ils sont au Congo comme des militaires congolais. Par miracle, voici les noms de ces militaires qui étaient de la paire comme militaires rwandais, mais par miracle, aujourd'hui, ils sont dans l'armée congolaise comme militaires congolaises. Oh, bah, par miracle, général Malik Kijege. Général Pacifique Masunzu, Général Bolingo, Général David Rougaï, Général Jean Biguete, Général Obedi Bouabassira, Général Mustapha Moukiza, Ozalaki, chef ya base à Kitona, Général Charles Bisengemana, Ozalaki numéro 1 à la police nationale congolaise, un Rwandais de père et de mère. Général Jérôme Gakwavu, Général Bosco Tangana, Général Laurent Koundabatoir, Général Bonan, Général Makenga, Général Kamanz, Général Munyarugeo, Général Moïndo François, Général Zéro Bravo François, Général Rouombimbere, Yuka Bakombo, Rouombimbere, Général Gizondo Eli, Général Padiri Jonas, Général Birori Benjamin, Yuka Bakombo, Birori, Général Bisongo Venas, Général Wilson, Général Mouniankazi, Général Moucho Claude, Général Innocent, Général Kabundi, Général Bissamaza,
général Nimbiz Dibinzi, plusieurs majors, plusieurs capitaines, lieutenants, sous-lieutenants, etc. Vous voyez combien de fois le Congo est à danger. Tant que ces infiltrés sont aux fonctions stratégiques de l'armée congolaise, la RDC n'aura pas la paix. Chers compatriotes, Yoka Bakombo, Yamoussala, Oi Police, Kanambasali pendant 18 ans, pour la cause de Bandé, pour la Rwanda, pour annexer Bangona 4 armées congolaises. Nous avons une infiltration et une armée. Nous avons une base, il y a le général. Général Bosco Tangana. Pardon, général, colonel Mamadou Ndala, le général Mbouzan Mabé. Tu as la degré d'infiltration. Oui, au messieurs police, quand on a basé le Congo. Aujourd'hui, Félix, c'est une bénédiction pour la République. C'est notre sauveur. Bah comprendre que Félix Tshisekedi a épaulé un intérêt à peuple congolais. Bah bandi bah campagne de diabolisation. Na Mbongo, c'est un centrafricain. Alors ça la mission. Centrafricain. Alors ça la mission. Oh, communauté internationale est signée plutôt. Na ben impérialiste. Pour nous couvrir, vilipender bah action visible à chef de l'État. Ma Kamounios, oh, ma Konzambo, ça la malam. Bah augmentation de salaire, bah mécanisation, bah gratuité. La mécanisation à 70 000 56 enseignants. La mécanisation à 29 000 fonctionnaires. Or, il y a salaire. Il y a des fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires. Tout chantier, il y a des fonctionnaires. Mais il y a des fonctionnaires. Il y a des impérialistes. Il y a des vilipendés. Il y a des fonctionnaires. Il y a des peuples congolais. Mais il y a des peuples qui ont été lobbyés. Le peuple a comme un éveil de la conscience. Il y a comme un esprit patriotisme. Il y a comme un éveil patriotique. Peuple a comprendre que Félix est notre frère. Makambo Mokonzambo a sali au Congo, il est un président Mokoti a sali yango. Donc le discours à Mokonzali bidon. A comprendre que pape foi na Congo. Makombo ko provoquer peuple congolais pour atinda batu na yemo ba ko tuma l'église catholique pour aller ba ke bataille des pèses ba ke ko tumba église catholique. Tu ba plan est très bien pour na été biso peuple congolais te couper sa pape rapport en pleine kills en pleine messe. Tu ko bisa a ko retirer mutu na ao. À Boaka, mission pastorale, à Boaka, Bible, à Koma, politicien, à Koma, opposant, à Koma, na FC, c'est moi, Moutalamouka, à Koma, Kobunisama, Konzamouka, en pleine messe, comme ça, pas un message, à comprendre, yango, nous avons créé un message, moi, vous dire, pour tout le monde, le peuple congolais, pour inciter, moi, Konzamouka, pour atteindre, Batunaye Moko, parce que nous pensons, l'église catholique, a mis ça sous prétexte, que ça a été des tout est bien, très bien. Azali centrafricain, pape Akoya Awa a retiré comme ça, a kende ko sa la politique bien. Biso ba catholique, to kondimate, église, ou ezali patrimoine na biso. Ya valeur. To soit un cardinal médiocre comme M. Mbongo. Ou ya tiki vie pastorale, a yé ko sa dire na vie politique actif. Na kati ya opposition, ya FCC, pour na ko soutenir ba étranger. Na yé moko étranger, pour na ko distraire opinion nationale, internationale. Mingi mingi pour nous distraire peuple congolais. Il y a un enseignant de peuple congolais, veille de la conscience. Tata ou Mbongo, Azali de Konabisote, Azali de Centrafrique. Papa, Jean-Pierre Bemba, Jean-No Bemba, on a joué à Kaye, à tant que c'est ma classe, on a eu comme un cardinal de Congo. Ils ont eu place, ils ont eu place, il y a Monseigneur Outembi. Il est né, il faudrait comme un cardinal. Mais ça, il y a un coup d'État, il y a un opérateur, il y a un impérialiste, il y a une communauté internationale, il y a imposé étranger. Il n'y a pas imposé sur l'étranger dans la poste. Moutassat africain. Je vais dire ça. Allez vérifier. Vous avez journaliste d'investigation, vous avez communicateur d'investigation. Allez vérifier. Vous avez dit qu'on a mis sauté. J'espère que tant que moi joué Kabila, tant que Rwanda joué Kabila, Azalaki na gouverneur à Tanganyika. Mais famille politique en Amérique. Ma vrai fils y a Kabila, Ibrahim Kabila, ma négonaï. Moi, ma femme adoptif. Tant que joué Kabila, Azalaki gouverneur à Tanganyika. J'espère que vous avez une révélation de chef coutumier. Balobaki joué Kabila, Azalaki quitté ma mercenaire. À niveau à Tanganyika. Déjà, il y a quitté le Bango. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, le mercenaire est là pour déposer Mindouki. Il y a une façon, Félix, c'est quel Tchilombo. C'est inutile de faire ça.
parce que ont amélioré les conditions de vie à peuple congolais, à restaurer véritable démocratie, liberté d'expression. L'autre monde va opposer en pleine marche, mais je bina, mais je vais dans la C. Comment? Donc, à restaurer véritable état de droit. Les militaires, les rebelles, ils ont déposé Mindouki. Donc, ils ont mis le monde. C'est pour vous dire que nous avons répété à moi, Félix, c'est une bénédiction divine, à une mission divine, à une mission mystérieuse pour pacifier Mboka. Donc, et c'est un abisso tout soutenir, nous avons abisso Félix Tshilombo, dans la lourde charge à Zanayango. Les rebelles, les mercenaires, ils ont recruté au niveau de Tanganyika. Ils ont déposé Mindouki. Parce que ce qui vit là, ils ont rebondi sur moi, Mboka Félix Tshilombo. Bamoni esi kama kote ya kubundisa ye nan bamona makonza mboka ya boyete o alingi mboka na yeko leka yemoko o alingi peuple na yeko leka yemoko to kubundisa si quel subasiment si quelle base mabenya sali asa ko kama mboka lo lengwe lo ngobani ba yeko déposer Mindouki pour comprendre que li ouvre les choses na éveil au peuple congolais commune yango na esprit ya maturité o armée congolaise ba commune yango. Tant que ça la rébellion, la carte c'est Congo et que tout ça t'es, bah ils ont déposé Mindouki, bah comprendre que lui ouvre les choses et que tout ça t'es, déposer Mindouki, bah quand on a programme autobiengi PDRC. Merci beaucoup Wamboka, tout le temps que vous êtes allé raconter la vie prévue, la carte Angola, mais nous sauver Ximavina Wamboka Lorenzo, Lorenzo, ouais pour y avoir Wamboka Peter qui s'est gagné et le bonheur. On a gagné, Rwandé, pour Kagame, Rifi, d'ailleurs, pour Kagame. On a fait ça, c'est qu'il y a pour saboter l'invitation à la vie, vous savez, parce qu'on a juste un micro dans la vidéoconférence. Très bien, c'est une très belle question. Mon conseil, c'est que vous n'avez pas écouté dans la Kagame. Mon conseil, c'est que vous n'avez pas écouté à Zongi. Par rapport. Ministre Mouezakuna. Ils allaient pour la Sergel. Sergel, ils allaient organe Oyo et traiter un conflit dans le pays d'Afrique. Il y a un conseil de sécurité des Nations Unies, il y a un président de l'Union africaine en exercice, Macky Sall, ils allaient pour le Sénégal, à traiter le Corona. Il y a un peu de Sergel, ils ont comme un peu de joueur Lorenzo. Il y a un peu de Bengaki, un peu de Félix Tshilombo. Il y a une invitation. À comprendre que Aza fautif, à vos arguments et puis à quoi que Sony devant monde, de moni à jouer à Bokin. Mon conseil, c'est que l'on comprend que ça va preuve tangible, la preuve palpable. Où est-ce que ça va terroriste, mercenaire rwandais? Parce que M23, ils allaient groupe rebelle, groupe rebelle, ils allaient octotone, ils allaient mboka, ils allaient posaka. Pour nous, nous avons dit que nous avons dit que ou bien violé la constitution, ou bien abrogé le mandat, conformément à la calendrier électoral, abrogé le mandat. Nous avons dit que nous avons rébellé la pour que nous avons dit que nous dit. Mais eux, les talibans, ils sont les groupes rebelles. Ce sont les terroristes, les mercenaires. Il y a un 23. Pour comprendre que il y a l'armée rwandaise. Il y a des mercenaires, des terroristes. Il y a des gens qui ont des preuves. Nabi bembe oto bomé ba terroriste na kati ya Congo a comprendre que a kozanga argument parce que chef de l'état Félix Tshilombo azala ba preuve tangible o ya présenter qui devant Sergel soka ke na ko akeyi kuna ba ko condamné a ko kufa soni devant mokili mobimba ne a osala arrogance wana. Mais au moment où je vous parle étape de commune na ngou Nzambe déjà a frappé dit Nzambe a répondre tous les plans ya communauté internationale o basala qui complot contre la République démocratique du Congo. La mission à Petit Félix Tshilombo. Nous avons besoin de confondre Bango. Les autres ont dit déclaration. Et puis, la résolution. Il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne tous les groupes armés opérant dans l'est de la RDC. Mais bah comprendre que au moment où je vous parle, comprendre que le peuple congolais a se mobilisé comme un seul homme derrière l'armée congolaise, derrière le commandant suprême. Bah tout le monde va se faire bêcher n'engagé. Bah quoi, bah n'ako bundisa yo. Bah zo ko utiliser bah opposant na yo. Bah zo ko botter bah opposant kili kili. N'engagé bah botter sur le cardinal bah comme opposant.
nous sommes pour émission à peuple dans un moment il y a pour frapper il y a pour fragiliser il y a pour imposer un corps moi comme ça pour l'intérêt peuple et puis si on respecte en côté le corps déjà peuple il nous va éliminer yo ndenge va éliminer comme Moïse ndenge va éliminer comme Lumumba mais au moment au peuple à Simani comme seul homme derrière Félix Tshisekedi Tshilombo c'est très difficile bas on peut à Félix Tshisekedi Tshilombo parce que peuple a simbié pour le moment je vous parle ce que le monde Félix Tshisekedi Tshilombo m'a belé. C'est que le Congo, le peuple, la carte d'Afrique, il faut effacer un mot. Mundela faut regretter. Pourquoi? Les leçons qui m'ont tout à Félix, c'est là que je m'ai dit à Koufi. Mundela faut regretter pourquoi ça a été plein. Il faut que Rwanda soit pente, il faut que saccager, il faut que Rwanda soit la carte d'Afrique, et puis le Congo soit la carte d'Afrique. Il faut regretter. Et le gens qui ont Congo, ils ont une histoire dans le monde. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va comprendre que le peuple congolais a assimilé Félix comme un seul homme, à se mobiliser, à commettre un éveil de la conscience, un éveil patriotique, esprit patriotisme au peuple comme le Congo, depuis que nous avons Congo, dans les salamates. Quand on a un régime, il y a Fachi. Le Yomoni va boiter les pas. Ceux qui ont la hypocrisie, le discours et la résolution, on a engagé. Mais à la lobby, va condamner. Tous les groupes armés opérants dans l'Est de la RDC. Et puis, Balobi, tous les groupes rebelles, Oyo et Zali, les étrangers, les terroristes, les mercenaires, les zones dans le monde, les pays respectifs, dans le monde. Et puis, sans condition, voilà la résolution, il y a le Conseil national, Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis, il y a le Moussika. Le Conseil de sécurité des Nations Unies réaffirme son ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité nationale de la République démocratique du Congo. Tous les rebelles au Bazali Banamboka, il ne faut pas s'adhérer à un programme Otobengi, programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. PDRCS. Vous avez le contraire. Dans le programme Kabila, c'est là qu'il y a DDRC. Il y a des mercenaires, des terroristes, des rebelles, des papiers étrangers, des côtés dans l'armée congolaise. Il y a des infiltrations et c'est là qu'il y a jusqu'au sommet. Mais en résolution, il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies où il y a un niveau de Nairobi. Le programme Kabila, c'est là qu'il y a PDRCS. Aux amours en Moka, aux groupes rébellion, aux côtés de programme, aux formations, bah, ça a laissé les gens vivre comme tous les citoyens dans la société, comme civil. Au la ministérie, au combat, ça la bilanga, donc service national. Donc c'est un peu ça, la résolution, il y a Nairobi, au Conseil de sécurité des Nations Unies, bah, adopté. Donc, bah, boiter les pas, dans la résolution, au Mokonzamboka, à proposer qui, yango. Bah, on peut boiter les pas. Comprendre que le peuple congolais, esprit, est au zénith. Le peuple congolais comprend que Félix Tshisekedi, c'est notre sauveur. Le peuple congolais comprend que l'armée est infiltrée. Même les militaires, ils ont un appétit. Comme vous voyez là-bas, il y a des gommes. Oui, c'est la matinée au Congo. C'est pour vous dire qu'il est fini la récréation pour blaguer avec la République démocratique du Congo. Pour ça, c'est là qu'il y a quelques minutes, Bakati Yango, il y a juste identifié, il y a un la province de Nabango, mais va rejeter en haut pour vendredi prochain. Mais selon Bassoux, Basso reproché François Béa, sans autorisation à la maison civile, à la maison militaire, sans autorisation à la ministre de la Défense, sans autorisation à la commandant suprême, chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, François Béa a tindé colonel Sikapa pour aller acheter auprès de la société Moran à Belgique. Plusieurs effets militaires. Bilokouana et Kindawapi. En 2020, en 2021, François Béa a eu des contacts physiques avec John Numbi en Harare, sachant que ces derniers s'activent au recrutement d'anciens éléments Simba et autres vivants en Angola, en Namibie, pour renverser le régime à place le régime Félix Tshisekedi Tshilombo. En 2021, toujours, François Béa s'est abstenu à dessein de livrer au président de la République des informations récits
des projets de trahison, d'espionnage et d'autres activités de nature à nuire la défense nationale et la déstabilisation du pouvoir de Kinshasa à partir de Tanzanie. Et puis François Béa, à cela qui complot pour éliminer le chef de l'État physiquement. Mais si procès à François Béa et si là, bah, convoquer M. Hippolyte Kanambi, parce que ancien garde, quand garde il y a Hippolyte Kanambi, Azali coaquisé dans le dossier de François Béa. Colonel Lili, il fit Afdel. C'est pour vous dire que complot, c'est là qui déjà plat, il y a communauté internationale à complicité. Na ba Rwanda, na Hippolyte Kanambi. Si procès à François Sila Kanada Salelo, Hippolyte Kanambi a couru devant la barre. Kumonae et Kobima. François Béa, avant ça, après ça, Kumonae a juste chassé à l'aide de micro. Mais pour éliminer mon consentement physiquement, je vais en mais prochain, tout comme ça, révélation, n'engue procès qu'on déroule, n'engue pas qu'on bénisse pas tout ce qu'on a cité, bah qu'on témoigne devant la barre. Merci beaucoup, Ambrado Ayoboli, pour Madame François Béa. Tout ce moment que tu penses que Monsieur Abissou et Kambo Italie marche, j'aime Ambrado Martin Farolese, comme pour lobby, pour l'avoir soutenu, bah il faut laisser Martin Farolese quand même, assez épais pour ça, c'est avec le patriotisme, quand elle est pas laissée. Moi, Ambrado Ka. Les journalistes, quand on a marqué Fayol, on a un bon côté. Pour attirer la cause, on a un bon côté. Les lois, il y a Bimina Balabala à soutenir et faire des essais. Parmi Bango, on a un FCC, on a un bloc bapayatique. Parce qu'il y a un complot pour que nous nous sommes en train de décréter l'état de siège. Il y a un état de siège. Mais les lois, on a retourné l'état de siège. Il y a un marche pour que nous faire des essais. Mais qui est le commandant suprême de faire des essais? C'est Félix Sekedi Tshilombo. C'est pour vous dire que la politique, il y a une nerveté. La politique, il ne faut pas être détraqué mental. Il ne faut pas être fou. Martin Fayol a représenté quelle patrie dans le Congo? Quelle patrie? Il y a une complicité. Il y a un mot de niveau est. Il y a une ironie, il y a un maquillage pour distraire l'opinion nationale internationale, pour distraire le peuple congolais. Et le Martin Fayol a une marche pour soutenir et faire tout le monde la société civile. Tout le monde est musulman, tout le monde est pour créer une sécurité, pour empêcher mes versets de Bayaté. À ça, il marche d'une manière pacifique. À quel point tu m'as figé, tu as pour Rwanda, l'ambassade à Rwanda. Mais Marte, il faut la musique, il faut la chèque, il faut conscient. Il faut la musique, il faut la photo, il faut le commandant suprême. C'est pour vous dire que à Tambola qui peut soutenir M23, pour la soutenir faire des CT. Il faut la parlement de Bounanga, la base à Capé, la zone rouge. Il faut la podium. Il y a les bosses qui tout marquent dans la mais cette fois-ci, il n'y a pas porter plainte, il n'y a pas de marquer Fayoul. Il faut que ça soit le courant parce que trop c'est trop. Il faut, nous sommes dans la démocratie. Il faut que ça soit le Fayoul. Comment se fait-il un étranger, un Sénégalais Camerounais, aya na Congo, qui a été conscient, qui a été un chèque, qui a été un liban, qui a été un libombé, après, il y a 5 millions de machettes, qui a été un balabala, qui a été figé à chef de l'État, qui a été commandant suprême. Il y a force armée dans la police nationale congolaise. À ça, qui ironie, il y a des gens qui ont fait des essais. À temps, il n'y a pas soutenu M23, il y a un militaire rwandais. Il y a des gens qui peuple congolais. Martin Fayol a représenté quelle partie dans le Congo? C'est un Camerounais, c'est un Sénégalais. Il y a des gens qui ont fait des sièges. Les gens qui ont retombé l'état des sièges, ils ont mis des choses palpables, des choses visibles. Et c'est comme pacifié. Il y a Kabila pendant 18 ans. À temps, encore, mon côté, il y a des gens qui ont trahi. Mboke zan a complot. Mboke zan infiltré. Attends mon colombo côté ba côté la ministre de la défense. Mention. Ou bien question orale et débat dans l'Assemblée nationale. Mais le bako fongo la manga au marche de soutien. Quel soutien? Quel soutien? Et ali marche nazali contre yango parce que a kosi autorité à ville a za ko soutenir FRDC mais nzo kana tant moli pour soutenir M23. Abandé ko panza ba photo. Il est figé à commandant suprême. Il a décrété l'état de siège. Il a l'état de siège. Il a retourné dans le monde. Il a été rebelle. Il a été terroriste. Il a été mercenaire. Il a été bounel. Grâce à l'avènement, Félix Sekedi Tshilombo à la tête du pays. Mais il a été en train de se faire. Pour qu'il y ait un peu de temps.
tanga yoko tumba akomi na ka alongwe kapela tumbi anga tanga komi na kaoka. J'espère que population oh bah c'est pela kité nengi mokonza mboka population va combattre des pestes population yo mokosala ki onom ndeko chulo oso ba image population ne bima ki na balabala pona ko takede ba bakuluna na yona ku beta bango ba coup de balle besema ki et en plus yemo ko rata coup de balle ce ko so ki ajo ki balle balo ba ke Félix ke chulo mona bomisié ezali li boma na ende bomisié na na ko sama nae c'est un détraqué mental. Na ko samba nae aya ko songa biloko ya kutumba. Ama bachena muto alopesa ordre bukawa tumbao. Akopana ke parlement nga zone kapela la zone rouge. Nengi to toujours véhiculer message nengi to cha panneau à chef de l'état ya soutien à chef de l'état ne lumina ngai. A sepela ka tene na sangisa ka peuple congolais tongo midi pourquoi? Pona ko véhiculer message mo konza mboka. Ne aye ko tinda ba. Ya déjà complot. Ya ngona sengi na balandé bazo na biso o bali ko soutenir biso ko sa réfugié chef de l'état ko sa na podium ba ko ko sa biso na plus 243 89 68 53 286 plus 243 89 68 53 286 en tout cas bo benga biso ba soutien na bino pour na parlement ezonga en tout cas e osala biso bien toi toujours na service na bino. Merci beaucoup madame pour le présent donc malheureusement pour ça m'a fait de vous inscrire ce numéro mais je découvre ça pour vous pour la CBI pour votre compte en banque. Message nanga ezali boye. Na osenga na chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo commandant suprême. Il faut te ezali proposition eta ke mokonza mboka nga eta ke peuple ko na osenga na yo. O instruire renseignement militaire basa la perquisition na ferme ya Kashoboye, ya Kashamata, ya Kingakati, na ferme ya Kabila ezana kati ya Goma ya Nyirogote. Na ba ferme ezana na Congo central ba sa la perquisition parce que plan ya batu ozaki plan moko mabi et puis ba zo to songe la contrôle peuple congolais la police nationale congolaise to songe la contrôle ya batu maboma nyoso o bazali na etandi nyoso ya république démocratique du Congo et puis ba flat ba bar ba terrasse il faut contrôle patrouille ezonga parce que Kagame sokasi audace ya kuloba na arrogance parce que aibi degré ba infiltré au Congo bazali trop si mais au moment où je vous parle peuple déjà comme na éveil de la conscience peuple ça éveillé tout ça la perquisition ba faire mewana to misabi bundel eko bima lokola we mena na jo numbi surtout na Congo central ba ta maboma ko identifier bango plan moko ça makuna en complicité na ba politique il faut ko identifier ko ça la perquisition na ba hôtel na ba flat na ba ferme na ba tama boma ko identifier bango ko ba so si réellement azamu taliboma parce que l'heure est grave, l'heure a déjà sonné pour sauver notre patrimoine, l'heure a déjà sonné pour sauver notre république et puis na niveau ya présidence ezana mwana mwasi mwa azali kuna harmonie azali rwandais très très infiltré na kati ya présidence azana équipe ya communication na tina salama. Et puis, Azali, la communication, il y a l'Assemblée nationale. Mais il y a un président de la République. Mais Azali, agent de renseignement rwandais. Azali, j'ai une information qui a occupé ce renseignement rwandais. Autre bingi, Rwanda East Link. Et puis, il y a un serveur de communication. Il y a un appel de Nyoso ya Congo. Il police quand même à Tchayango et vend à Rwanda. Na sengi na makonza mboka ba insuri ministre ya ITPR de Kokibasa bazwa bazwa serveur central wana ya communication eza na Rwanda pona ko contrôler renseignement ko zerinyos o biso sur le niveau ya Congo ka gama za contrôler yango ne osala ba arrogance wana et puis ala ki complot ya communauté internationale ngongo to komela ngongo ba fatikite bazwa yango ezongo na kati ya Congo. C'est votre humble serviteur Cordon Sisko Charge Afuna. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Cordon Sisko. C'est moi qui vous remercie.